Les élus sur scène, en Alsace et sans doute en France, c'est unique et c'est à Souffelweyersheim. Sur un air de chantier, c'est le nom de la revue 2023 mise en scène par Denis Germain, captation signée Pierre Simon. Souffelplay vous propose une diffusion en deux parties, les 10 et 17 février. Salut Gigi. Bonjour Justine, ça va ce matin? Oh, ne m'en parle pas, j'ai une réunion de chantier, ça va encore être ma fête. Oh, t'en fais pas, ça passera. Qu'est-ce que je te sers? Allez, un café. Ok. Avec un schnaps. Rallongé. Le schnaps, plus le non, café. Non, le schnaps rallongé. Ah. La journée va être dure. Ok. Deux modèles DNS, les dernières nouvelles de Souffelweyersheim. Un chantier qui n'arrive pas à son terme. Une équipe municipale dans la tourmente. Et un architecte au bout du rouleau. Deux modèles DNS. Ah, Justine, ça va? Ah, Gigi, chérie. Oui, Tonio. Un café et une sangria. Ça marche. Et allongez la sangria. Hein. Ok. Et ça se fout. Mais il va bien se passer, tu vas voir, Justine. Hey Mario, est-ce qu'on a reçu l'enduit pour humour? Toujours pas, monsieur Tonio. Problème d'approvisionnement. La guerre, les Chinois, les semi-conducteurs, toujours la même merde. Le problème, c'est l'enduit. Bonjour Mario. Bonjour madame Justine. Tenez mes amours. Attention! Voilà la mère et la fouille merde! Madame? Madame la mère? Bonjour madame. Bonjour madame la mère. Élise Sucette pour France Télé Cache Investigation. Nous sommes devant ce chantier qui doit donner le jour à un EHPAD, une crèche, une école municipale et des logements, mais qui n'est toujours pas terminé. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, la première pierre a été posée en 1976, lors de mon premier mandat. Et le chantier devait s'achever en 1980, au début de mon deuxième mandat. Ne sommes-nous pas face à un scandale immobilier? Des malversations? Ah non, hein, pas de scandale, madame Sucette. Je vous en prie. On va dire un enchaînement de malchance et le chantier est parti en sucette, si je puis dire. Oui, c'est un scandale. Bonjour, je suis monsieur Skoumoun, propriétaire. C'est le bordel. Nous, on a acheté sur plan l'appartement terrasse du 8e étage. Ouais, mais enfin, ils en ont construit que 3 pour l'instant. Alors, l'accession à la propriété, c'est un projet de vie. Merde, j'aimerais bien y accéder. Pensez, cet appart, je l'ai acheté avec ma première femme. Et là, je suis avec la troisième. Ouais, je suis madame Skoumoun 3. Mais je compte bien être celle qui en profitera. Même si lui ne peut plus grimper les étages. Alors, je me vois déjà nue sur ma terrasse avec un Aperol Spritz. Et lui, je le mets en bas à l'EHPAD. Et moi, j'attends toujours une place à la crèche, bordel. Pour vous? Mais non, blairotte. Pour mon fils, Kevin. Non mais maman, j'en ai plus besoin, je t'assure. Mais si, Kevin, bordel. T'as 40 ans et tu me fais encore une bronchiolite. Alors, j'ai demandé une place à la nouvelle crèche, et ben je l'ai obtenue, alors tu iras à la nouvelle crèche de Souffel. Et tu feras attention, hein, parce qu'il y a de la gadoue partout. Nous allons demander quelques explications au promoteur immobilier, monsieur Latuile. Alors oui, effectivement, c'est mon grand-père qui a démarré le chantier. Bon, mon père l'a abandonné. Bon, moi je vois vraiment pas où est le problème. Hein. On va demander au chef de chantier, Tonio, venez voir. Si, monsieur Latuile. C'est quoi le problème? Bah, j'ai un gros problème, c'est qu'on n'a plus les matériaux. Le problème, c'est qu'on n'a plus l'enduit pour l'amour. L'amour, il lui faut l'enduit dessus, c'est pas compliqué. Pas de l'enduit, pas de l'amour.
On ne comprend pas bien, chef de chantier, non? Il y a un problème d'enduit. C'est donc pas compliqué à comprendre. De l'enduit pour faire les murs. Faut qu'on nous donne de l'enduit. On arrive sur le chantier, ça va être la misère. On voudrait pourtant terminer pour demain. Pouvoir enfin ranger toutes nos petites affaires et finir de crépir les tout derniers parpaings. Mais voilà qu'en ce moment, on manque de matière. Trouver du plâtre fin, c'est devenu un vrai drame. Pour des joints de placo et des moulures anciennes, c'est tout comme la coco, tu dois le payer au gramme. On n'avait pas prévu ça sur une vie, et du client on entend déjà les cris. Évidemment ça fait monter les prix, ça coûte bonbon maintenant de copier, et ça gâche le plaisir qu'on nous donne de l'envie. Au même pique de vie qu'on anime nos vies. Même au prix du caviar, retrouver ses galères. Pour pouvoir se fournir, faut chercher nuit et jour. On est du bâtiment, on n'est pas des dealers, et pourtant il nous faut notre dose de chaque jour. Le préparer ensuite, c'est une cérémonie. La truelle s'impatiente à caresser le mur. On va pouvoir enfin étaler son enduit, comme avec une femme quand on lui fait la mûre. On n'avait pas prévu ça sur le lit, et du client on entend déjà les cris. Évidemment, ça fait monter les prix. Ça coûte bonbon maintenant de construire, et ça gâche le plaisir qu'on nous donne de l'enduire. Au même titre de vie qu'on ranime nos avec l'architecte, Madame Justine Tidgout. Qu'avez-vous à nous dire sur ces retards? Bon, alors, effectivement, alors, il y a la modification 1, ensuite la modification 2, modification 3, modification 17. Moi, je ne comprends plus rien, à hauteur, au prospect, tout qui change, je ne comprends rien. En plus, il m'énerve à cette mairie. Et en plus, on a eu des problèmes d'électricité. Bon, enfin, nous, on attend toujours notre duplex en attique avec spa à débordement. Tu as raison, Moumoune. Hein. Bon, enfin, bientôt, lui, il ne pourra plus rentrer dans le spa. Hein. Monsieur Latuile, ne trouvez-vous pas étrange que la porte d'entrée de ce bâtiment se trouve au premier étage et à l'envers? Bah, écoutez, moi, je ne sais pas. Tonio, il n'y a pas comme un problème? Bah, je sais pas, je pense qu'avec une bonne échelle, ça devrait le faire. Mario, c'est quoi le problème? J'en sais rien, moi. Moi, j'ai fait comme sur le plan. Le problème, c'est que le paillasson se casse tout le temps la gueule. Non, mais c'est quoi ces conneries, Tonio? C'est encore vous qui avez merdé? Ah non, monsieur Latuile, je suis une chef de chantier respectable. Bon, Justine, faites voir les plans. Donc, attendez. Oui, effectivement, il y a une petite erreur. Ah bon? Et donc? Et donc. Ah oui, je me suis un peu trompée. C'est à cause que c'est un petit peu à l'envers. Mais si, Justine, ça se voit, c'est complètement à l'envers. Montre-moi ça. Mais si, regarde. Là, j'ai à l'air droit. Mais c'est là-haut, chez l'EHPAD, ça se voit. Là en bas, c'est la crèche. Et là, c'est l'ascenseur. Il descend. De toute façon, il descend tout le temps.
Et là, c'est l'appartement duplex de monsieur et madame Schkumoun. Tu vois, chérie, notre duplex en attique est déjà construit. Mais si, là-haut, c'est des chambres. Et là, en bas, c'est la cuisine. Et la terrasse. Bon, enfin, ma terrasse, là, elle est dans la gadoue, hein. Bon, au moins, on a un chez nous, on pourra commencer à en profiter. Oui, et au lieu de faire des spas, vous ferez des bambous. Oh, parce que là, vous en avez pour un bout de temps, hein. Et dites donc, les branleurs, si je comprends bien, l'EHPAD, il sera au dernier étage. Oui. Oh, mais tant mieux. Comme ça, on verra mieux le cimetière. Et maman, tu feras attention à la gadoue, hein, il y en a partout. Oh, mais tais-toi donc, le morveux. Monsieur Tonio va s'occuper de moi. Hein, monsieur Tonio? Ah, voilà, apportez-moi un parapluie, histoire que je prenne pas l'eau, comme votre chantier. Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc. La gadoue. Une, les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue. Vivons un peu sous le ciel qui bleue d'amour et et puis, mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadoue. Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadoue. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadoue. Vivons un peu sous le ciel qui bleue d'amour et d'eau de pluie. Et puis, mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon. Demandez les DNS, dernière nouvelle de Souffelbayersheim. Le GIGN s'installe à Souffelbayersheim. La section spéciale d'intervention dans les prisons, le ERIS, prend ses quartiers dans notre ville. Mais pourvu que la présence de ces gendarmes soit aussi drôle que de finesse, s'exclame à Souffelbayersheim moi et un autre habitant de dire. J'espère que ce ERIS ne nous ERIS pas. Demandez les DNS. Demandez les DNS. Mais dites donc, pourquoi vous avez une cagoule, vous? Peur du Covid? Non! C'est à cause des explosions! Désolé, j'entends plus rien, c'est à cause des explosions, des bruits d'armes automatiques. J'attends ma femme, on cherche un appartement. Mais dites donc, c'est pas la peine de gueuler, je suis vieille, mais je suis pas sourde. Mais je vous le dis, c'est à cause des bruits d'explosions, les armes automatiques. En plus, je viens de Corse. Alors pour les oreilles, c'est chaud. Mais vous n'avez pas un appareil? Quoi?
Ouh, à votre santé. Je crois que celui-là, il va pas falloir qu'on l'appelle à l'aide. Maman, moi j'aurais aussi bien voulu être gendarme. Oh, mais mon pauvre Kevin, tu vois pas bien, t'as les pieds plats, t'es dyslexique, t'as une scoliose et t'es dalmatien. Daltonien. Mais justement, tu confonds le vert et le rouge. Alors tu te vois avec les feux de circulation, hein? Ce sera pas facile les contrôles routiers. Allez, mange-toi un outard et ferme ta bouche. Qu'est-ce que je vous sers? Il est sourdingue. C'est comme celui-là. Mais lui, au moins, je sais de quoi ça vient. Ben, des fois, ça vient pas. Oh, tais-toi! Hein? Et ferme, mange ton petit Suisse et ferme ta bouche. Allez! Chérie, j'ai eu un mal fou à trouver une place de parking. Bonjour, madame. Ben, vous aussi, vous parlez fort. Eh ben, il faut bien. Sinon, j'arrive pas à me faire comprendre à la baraque. On va commander. T'as raison, Eline. Mais qu'est-ce que t'as dit? Bon, qu'est-ce que je vous sers? Vin blanc, crémant, sinon je fais des cocktails maison. Cocktail? Cocktail? Cocktail Molotov? Les mains sur la tête, plus personne ne bouge! Attaque au cocktail Molotov sur la place devant le café! Demandez renfort! Rendez-vous, vous êtes cerné! Mains sur la tête! Pas un geste! Jean-Pierre! Arrête tes conneries! Tu vois pas que tu fais peur à la dame? Elle te propose un cocktail! Un cocktail à boire! Tu commences vraiment à me faire chier avec ton boulot! Vous pouvez baisser les bras, madame. Vous mettez l'heure des jus de fruits. Vous avez des jus exotiques? Oui, j'ai du jus de grenade. Oh! Attaque à la grenade! Mets sur la tête! Pas un geste! Ah, sinon j'ai du jus de pomme. Ça va être mieux. Jus de pomme pour tous, les gars. Ouais. Eh ben, je crois qu'on va bien se marrer avec cela. Tu vois, Kevin, ça, c'est des vrais hommes. Ils en ont dans le slip. Allez, finis ta madeleine. Ferme ta bouche et moi, je vais me prendre un petit canon. Oh, oh, canon. Ils sont gentils, vous verrez. Souvent un cran, mais gentils. Oh, moi j'ai l'habitude des militaires. Ils me fréquentaient pas mal dans ma jeunesse. Moi, c'est Gigi. G-I-G-I. C'est comme le G-I-G-N, mais chez moi c'est un ni et pas de N. C'est la devise de la maison. C'est beau comme devise, un ni et pas de N. Bon, je vais faire les présentations. Tout devant, vous avez Rambo. Oh ! C'est des noms de code, hein. Discrétion oblige. Ensuite, Terminator. Ouais ! Le plus grand, c'est Batman. Ouais. Et le mien, c'est Rocky. Hein, mon Rocky ? Et moi, c'est Adrienne. Adrienne ! C'est ça, mon amour. Calme-toi. Ah, ils ont l'air charmants. Ouais. Enfin, c'est pas les héros de origine, hein, ça c'est sûr. Hein. Nous avons rendez-vous avec le commandant et tous les conjoints pour le pot de bienvenue. Vraiment, je comprends pas. J'ai tout fait à l'endroit, je comprends pas. Oh, là, il y a du lourd. Ta-da-da-da-da. Da na 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 na. Ah! Da na 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 na. Ah! Dis donc, toi, tu veux pas faire un plan avec moi? Je suis hors chiquette. Gigi! Oui, un cocktail Kalachnikov. Oh, oh! Avec des knacks et de la moutarde. Mais avec modération, la moutarde, on en trouve. Mais Gigi, calme-toi, c'est le GIGN, enfin le IRIS, équipe régionale d'intervention et de sécurité. Oh, moi j'aime bien le GIGN, mais j'aime bien les gars du RAID aussi. RAID, ça me plaît. Ouh, il y en a pas un qui voudrait me faire un assaut final. Oh! Bon,
Bonjour, Mme Rambeau. Bonjour, Mme Rocky. Ah, ça va ? Oui, cette petite robe va ravir. Très charmant. Merci, c'est un modèle camouflage. Ça vient de chez Jungle. Ça lui plaît à lui. Oh oui, comme ça, moi, j'ai l'impression d'être Tarzan. Oui, mais ça ne camoufle pas grand-chose. Avec sa robe Jungle, quand elle se baisse, on lui voit la savane. Non mais maman, j'ai 40 ans. Oui, mais t'es pas fini, hein? Regarde-moi ça, t'es tout dégueulasse. Allez, tu me fais honte, Kevin, mange ta compote. Bonjour Madame Terminator, ça va? Ouais, m'en parlez pas. J'arrive de chez la paire. Faut encore remplacer la porte. C'est la troisième cette semaine. Ce grand con là, il sait faire que ça. Il oublie ses clés tout le temps. Il sait faire que ça. Défoncer les portes. Excuse chérie. Je croyais qu'il y avait une mutinerie. J'avais entendu du bruit. Ouais, enfin, c'était l'aspirateur. Le mien a enlevé toutes les poignées de porte. Pour passer d'une pièce à l'autre, je dois faire des codes. Ça me rend dingue. Sécurité, chérie. Et moi, je monte la garde depuis le camping-car avec le chien. Et je rentre à la baraque tout que le week-end. Comme ça, j'ai l'impression d'être parti en opération. En ce moment, il nous construit un mur d'enceinte. On est les seuls à Souffel à avoir une clôture de 6 mètres de haut et électrifiée. C'est la sécurité. Comme ça, on est tranquille. Et puis, c'est une porte blindée comme au pénitencier. La porte du pénitencier, il faut bien la refermer. Car sinon, y a plein de prisonniers qui pourraient bien être tentés. C'est bon. Moi, pour me détendre, je cours tous les matins jusqu'à l'Elzo. Je fais 20 fois le tour du centre pénitentiaire et retour en roulet-boulet sur l'autoroute. Ouais, enfin... Okay. Faut les occuper, ces gaillards. Et vous, Batman, l'intégration à Souffel, pas trop compliqué? Non, ça va. Et Madame Batman, elle vient quand? Oui, ça arrive. Bonjour tout le monde, bonjour chérie. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Robin. Bonjour Robin. Dis donc. Tu savais, toi, que Batman était avec Robin ? Robin, ça fait bizarre pour un homme. Ça fait tout de suite Robinet ou Robignol. Bon, c'est que ça doit plaire à Batman. Oh, je sens qu'on va bien se marrer avec cela. Allez, finis ta pompote, y a tout qui dégouline. Ah, chérie, j'ai mis donc la Batmobile à la révision chez Ichtert. Hein. Très sympa. Bon, la dame a dit qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de ce genre de bagnole, mais ça va le faire. J'étais à match aussi, je t'ai pris ta boisson énergisante Red Bull, j'ai repris de l'arnica, il se blesse tout le temps, en même temps, et je t'ai pris ton pif gadget. Oh, c'est quoi le cadeau cette semaine? Ce sont des lunettes pour voir dans le noir. Ouah, chouette. Vous aussi, vous êtes du GIGN, rapport au masque? Ah non, pas du tout, je sors d'une répétition des vœux du maire avec Denis Jarmin et Marie Chauvière, deux pointures. Hein. Et donc, je suis plutôt déjà bien intégré à Souffel. Et le chef, il est pas là? Bah si, tiens, il arrive. Bonjour les gars. Bonjour chef. Bon les gars, la section Iris GIGN s'installe dans notre ville. Sous le feu, MSM, enfin, un truc comme ça. Bon, je veux de l'intégration. OK? Le chef. Hey, moi, je veux bien en intégrer quelques-uns, les gars. Déjà, pour boire un verre ou deux. Et plus, il y a affinité. Ah ben, ça, c'est sûr. Pour la distribution des colis de Noël aux aînés, aux vieux, ça aurait de la gueule, le GIGN. Ouvre ta porte, la vieille! Faut que je te dépose des pâtes de fruits!
Bon, les gars, on ne s'ajoute pas sauvage. On se noie dans le paysage et on adopte les coutumes locales. Oui, chef. Ce soir... Silence. Ce soir, on va tous manger une flammeuse chouque, gratinée ou normale. Pour les viandards, il y aura des flèche quichele ou des levures knepele. Et alors, pour les végétariens, parce qu'il paraît qu'il y a des végétariens... Oh, les nazes! Oh, ta gueule, Batman, moi j'ai pas de bide! Silence! Pour les végétariens, il y aura des... Robert Kichle, le. Question? Pas de question. Ben dis donc, elle a pas l'air commode, votre chef. C'est quoi son surnom? Alien 4. Bon, et ôtez-moi cette tenue. Et ôtez-moi surtout ce maquillage de combat. Vous ne voyez pas que vous faites peur aux gens lorsque vous arrivez en ville? Quand tout le monde dort tranquille, dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les zonas descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met feu au building? C'est toujours les zonas. Alors, c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. On arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. On va prendre le temps de l'attendre. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour, on est tranquille, au pas de fin cognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre quand on arrive en ville. Quand la ville souterraine est plongée dans le noir, les gars qui s'y promènent ressortent sur des brancards. On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir quand on arrive en ville. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre à mort sans temps. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Je pense que tout le monde a compris. Discrétion, adaptation. Pour ce faire, je nous ai tous inscrits dans une association Suffelweyersheim moise. Pour ma part, j'ai pris basket. Quoi?
seriez pas en train de vous foutre de ma gueule? Non. Non, okay. Non, chef. Bon, de toute façon, Alien 4 ne cesse pas à battre. Pour la plupart d'entre vous, je vous ai inscrit dans l'école municipale de danse classique. Il y a que là qui restait de la place. Donc, Terminator, Batman, Rocky et Rambo, demain, danse classique. Oh non, 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 non. Quoi? Problème? Bon. Dites, Madame Alien, je fais une fête ici en fin de semaine. Vous pourriez venir avec vos gars? Ah, c'est gentil, Mme Gigi, avec plaisir. Mais venez donc avec votre mari. Négatif, célibataire. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé l'âme sœur. Je comprends pas. Peut-être un problème de féminité. Ah, vous viendrez me voir. Je m'y connais en féminité. On va arranger ça. Merci, Mme Gigi. Ouais, niveau féminité, il y a du boulot. Allez, viens, Kevin, on va au parc. Putain, il y a que là. Et ferme ta bouche. Demandez les DNS, dernière nouvelle de Souffel Weyersheim, édition du soir. Souffel, plaque tournante de trafic en tout genre, entre mafia russe et Caïd marseillais, un gang régnerait sur les nuits de Souffel-Weyersheim. La police piétine. Souffel, cité de la drogue! La mère est stupéfiée. Demandez les DNS! Demandez les DNS! Alors, Maurice, je t'en mets un petit? Oui, la môme, allez. Un petit dernier pour ce soir, parce qu'après, faut que je bosse. J'attends encore des clients ce soir. Oh, tu t'arrêteras jamais de faire du business. Dire que c'est avec toi que j'ai commencé le métier. Oh, j'aurais fait n'importe quoi pour toi. Mais déjà, t'en aimais une autre. Ah, c'est vrai. C'était l'amour d'un été. Je ne l'ai jamais retrouvé. Paulette, elle s'appelait. Psst, psst, hey. T'en as? Mais non, et toi? Mais non, j'en cherche aussi. Putain, ça fait 3 semaines que j'en ai pas trouvé, je suis en manque. Moi, ça me rend dingue, j'en dors plus. Ce qu'ils vendent dans les magasins, c'est pas de la vraie. Et j'ai vérifié, c'est pas de la bonne. Moi, ce que je veux, c'est de la bonne blanche. Oui, on cherche tous la même chose. Mais... C'est qui, lui? Tu le connais? Tu l'as déjà vu? Hé, hey, t'es qui toi, viens? Tu cherches quoi? De la beuh? Du crack? Ou de la blanche comme nous? Mais, vas-y, réponds! Oh, on te parle? Bah, il en cherche comme vous, hein. C'est que j'ai un gros problème, une pénurie. Tonio? C'est toi? Bah, je suis Mario chez moi. Et toi, c'est toi? J'ai rendez-vous avec un dealer. Il m'a dit qu'il en avait de la bonne. Il m'a donné rendez-vous à 10h. Et à ma montre qui fait tic-tic et tac-tac, il est 10h. Alors les gars, c'est moi qu'on attend? Il paraît que vous en avez. Du plâtre? Si, pour faire l'enduit pour l'amour. Et je comprends pas qu'il se dit là, votre mec. Il est sûr? Oui, oui, vous inquiétez pas, Maurice, c'est un gars sûr. Bah, si, pour être un gars sûr, je suis un gars sûr, hein, ça c'est sûr. On peut voir la marchandise? Oh putain, c'est de la bonne! Du plâtre comme ça, hein! Ouh. Véritable plâtre de Paris. Label AOC. 100% pur et pas coupé. Avec ça, vous aurez un rendu magnifique sur les murs. Et vous pouvez vous en servir pour faire du stuc. Et c'est combien? 60 euros le sac. Oh, oh Dieu. C'est pas donné, hein? À prendre ou à laisser, hein, moi je peux vendre ailleurs.
Ah non, 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 ok, bah tout est dans la camionnette là-bas, hein, si vous servez. Okay. Et on paye d'avance. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire, j'ai mon bureau de tout, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Comment es-tu heureux? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier, au fond je n'ai qu'un regret, je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux mon vieux? Dans la vie on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau, et de pouvoir me trouver beau. Sur un grand écran en couleur, sur un grand écran en couleur, j'aurais voulu être un artiste et avoir le monde à refaire. Pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire. Et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste pour faire du lait, pour faire du beau, pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Bah, avec tout ça, j'ai trouvé du plat. On va pouvoir terminer le chantier Houston Petite Goutte. Hein.
Ah oui, mais là, moi, je traîne pas. J'ai pas envie de me faire attaquer et me faire dévaliser, hein. Bon, moi aussi, faut que j'y aille. Allez, faut que j'aille bosser. Salut, Tonio. Bah, moi, je vais achetiquer mes taloches. Je vais achetiquer ma trouelle. Et nettoyer les éponges, hein. Et demain, j'y mets un bon coup, hein. Allez. Bah, tout le monde fait ses courses, à ce que je vois. Maman, tu devrais être couchée. À ton âge... Oh, mais regardez-moi ce grand chialeur, là. Je suis pas mourante. Moi, j'aime bien voir ce qui se passe. Et des fois que je trouverai l'amour... Ah non. Allez, mange ton flambi, et ferme ta bouche, et viens, on va aller boire un petit coup. À cette heure-ci. Gigi. Bonsoir, Justine. Alors, prête pour le premier soin? Oui. Bien. Mets-toi là sous le réverbère, on verra bien. Et tu te rappelles, aguicheuse, mais pas vulgaire. C'est souffert quand même. C'est une nouvelle? Ouais, je la forme. C'est du local, des circuits courts. Oui, ça se voit. Ah ben, c'est un essai pour Souffel. Je me dis que le camion à pizza, ça marche bien, alors pourquoi pas? Et puis, c'est un petit métier qui remet du lien social dans le village. Et maman, elle fait quoi la dame? C'est un plat à emporter. Allez, ferme ta bouche, mange ta vache qui rit. Hein? Gigi? Oui? Un americano. Ok. Avec un Schweppes et une olive. Ok. C'est pas vrai? Je rêve? Paulette, c'est toi? Il n'y a que toi qui prenais un americano Schweppes avec une olive. Oui? Paulette? C'est moi? Non mais c'est pas vrai! Et c'est qui maman? Oh ta gueule! Maurice! Mon amour de jeunesse! Oh tu m'avais tellement manqué! Mais tu avais disparu du jour au lendemain! Mais oui mais je travaillais dans une blanchisserie industrielle! Hein? Et puis un soir j'étais tellement fatiguée mais que je me suis endormie dans un panier avec du drap qui partait pour Nice! Hé, hey, t'étais dans le beau drap maman! Hein? Oh la ferme! Dis voir, Momo, tu te souviens de cette chanson, hein, quand on passait nos nuits à quoi? À plier des draps. Mange tes maquereaux et ferme ta bouche. Allez, viens, Momo. Ah!
T'inquiète, j'ai mon camping-car. Oh, Kevin, je vais aller faire un tour de camping-car. Mange tes frites et ferme ta bouche. Et vous, vous la Macron? Ça va pas, non? Oh, c'est pas vrai. Font chier à la mairie avec leurs conneries de sobriété énergétique. C'est pas dans le noir que je vais me faire du chiffre d'affaires. Tout pour tuer le petit commerce. Bon, je rentre. Bon, ben au revoir, madame. Ce sera encore pas pour ce soir.